On les trouve route d'Angers, en sortie d'Arnage. Leurs briques rouges sont visibles de loin. Ces 10 maisons sont des logements sociaux, des maisons basse consommation, d'un grand intérêt pour des foyers modestes. Une isolation renforcée au niveau des dalles, des menuiseries, des ouvertures, des portes, de la toiture. La chaudière à condensation, dont la technique permet d'économiser à peu près 20 à 30% de combustible. Le panneau solaire qui permet de chauffer l'eau et là d'économiser beaucoup d'énergie. Le prix de ces maisons s'élève en moyenne à 144 000 euros, soit 15 000 de plus qu'une construction normale. Le projet a été rendu possible grâce aux aides de l'État, mais aussi au volontarisme de la commune. Le terrain a été cédé à titre gratuit. Cette logique sera la même pour les 160 logements sociaux supplémentaires qu'Arnage compte bien construire d'ici à 2014. La commune d'Arnage a un retard assez important en termes de logement social. Nous avons des demandes importantes et nous ne pouvons satisfaire actuellement. Donc on a contractualisé avec les bailleurs sociaux sur le secteur pour dire voilà, on a un certain nombre de terrains qu'on met à votre disposition et sur lesquels vous allez pouvoir réaliser et ainsi qu'on puisse atteindre, nous, commune, le quota de logements auquel nous devons répondre. Le loyer de ces maisons est de 480 euros. Certains ont déjà déposé un dossier. Une cinquantaine sont attendus.